Bonjour, Marie-Pierre de la cuisine de Mapi. Je m'interromps 2 minutes dans la préparation de mon repas du samedi midi, en fait, pour vous livrer une recette que je tiens de ma grand-mère et même de ma maman. Alors, c'est une recette ardéchoise, ça vous pouvez pas faire plus ardéchois, en tout cas du sud, de chez nous. On appelle ça les patates rôties. Et vous voyez, on utilise une poêle un peu spéciale qui s'appelle la poêle noire. C'est une poêle qui, à force d'avoir été utilisée, et comme on dit, calotée en fait. Et elle cuit des patates à la perfection. Alors regardez bien, je prends mes patates, plutôt des pommes de terre à frites d'ailleurs. Je les coupe en deux. Et c'est vraiment cette forme-là qu'il faut donner aux pommes de terre, c'est-à-dire de fines lamelles, comme ça. Et on fait ça au couteau, surtout pas à la mandoline, sinon ça va tout se couper, tout se coller. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. On met de temps en temps, selon les couches, on rajoute un petit peu d'ail. Alors vous pouvez prendre soit de l'ail en poudre, le mieux c'est d'avoir de l'ail et puis de le râper ou de l'écraser. Vous pouvez même laisser la gousse entièrement. Et on rajoute aussi un petit peu de sel. Et on laisse cuire comme ça plusieurs minutes, on va dire à peu près 20 à 25 minutes. Ça dépend un petit peu comment il est votre feu. Et j'ai très envie de vous montrer ce qu'il y a dessous parce que c'est ça qui est important, c'est super bon. Alors attendez, je vais trouver un ustensile. Tac, le voilà, regardez. Quand on soulève les patates, on a ça. Et ça, c'est trop bon. Donc vous mettez un petit peu d'huile au fond. De l'huile, pas de l'huile d'olive, hein, sinon ça sera trop fort. Une huile d'arachide, une huile de tournesol. Et vous faites cuire vos patates comme ça. Et voilà, et vous mangez ça avec une salade verte, c'est super. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un super week-end et peut-être à demain. Ciao, ciao !